Est-ce qu'au terme de 40 ans d'histoire de la Calédonie, est-ce que vous estimez que cette dignité, elle est retrouvée ? Personnellement, qu'on a retrouvé notre dignité. Parce que notre culture, par exemple, a été mise au centre de l'accord Nouméa, avec le centre culturel Tibaou, tout ce qui est autour. Et puis, il y a aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens ont retrouvé un peu des pouvoirs politiques dans les endroits où ils sont, en province île et en province nord. Donc ça, c'est pas rien. Ils ont retrouvé aussi, on a formé des cadres pendant ces années. Donc moi, je pense essentiellement que les Kanaks ont retrouvé leur dignité. Maintenant, ils doivent construire, et ils doivent s'ouvrir aux autres, parce qu'ils ont retrouvé leur dignité, ils ont la possibilité de partager un peu leur richesse avec les autres. Et je pense que c'est le challenge qui nous est donné. On est un petit pays, on est une île dans le Pacifique, invisible sur une carte, et on est entouré de grandes nations. Voilà, on a besoin d'un grand pays comme la France pour nous accompagner dans notre accès à la souveraineté ici ou d'avoir un peu plus de liberté pour diriger notre pays, pour organiser notre pays à la manière qu'on a choisi. Mais je pense que voilà, il y a certaines compétences, par exemple régaliennes, il faudra qu'on discute parce qu'on n'a pas les compétences ou on n'a pas les capacités de les exercer. En particulier, par exemple, pour l'armée, je l'ai dit, l'armée c'est une compétence énorme. Et je pense qu'on a besoin d'un grand pays comme la France pour nous aider. On n'a pas tout fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que c'est aux populations maintenant de décider ce qu'il y a à faire après. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Hein. Beaucoup de choses ont évolué depuis nos débuts.